On va commencer la thématique sur la qualité de vie. Et je vais inviter à me rejoindre sur la scène Madame Amandine Rochedi, qui est sociologue à l'Université de Toulouse. Donc merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. C'est 15 ou 20 minutes ? 15 minutes, voilà. Et ensuite, on aura quelques questions. Merci beaucoup, Amandine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un programme de recherche SOPAP pour socialisation alimentaire, des pratiques alimentaires des enfants avec le syndrome de Prader-Willi. Et donc, je suis effectivement maître de conférence en sociologie à l'Université de Toulouse. Alors, je vais vous redonner un petit peu le contexte de cette recherche. C'est une recherche que j'ai commencée en tant que post-doctorante, donc après mon doctorat qui portait sur les particularités alimentaires des enfants avec autisme. Et donc c'est un post-doctorat qui était encadré par un socio-anthropologue de l'alimentation, Jean-Pierre Poulain, et par le professeur Maïté Taubert, que tout le monde connaît. Donc un programme de recherche qui a été pensé en fait en termes d'interdisciplinarité, mais qui a également été pensé avec l'association Prader-Willi France et avec l'ensemble des professionnels du centre de référence Prader à Toulouse, et également une équipe INSERM qui est plutôt spécialisée sur le handicap de l'enfance. Et donc ce programme a bénéficié en fait du support financier de l'association Prader-Willi France et également de la fondation Maladies Rares. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur l'aspect de la revue de littérature, parce que Maïté Taubert l'a fait hier matin, mais peut-être juste rappeler qu'il y a trois paradigmes explicatifs des particularités ou des troubles du comportement alimentaire dans cette population. On a l'approche génétique, on a l'approche endocrinienne et on a également l'approche comportementale. Et donc, il y a bien un certain nombre de travaux, et notamment les travaux de Miller en Floride, qui identifient les différentes phases nutritionnelles et qui caractérisent cette dynamique des pratiques alimentaires allant du comportement anorexique et qui est suivi par un comportement hyperphagique. Il est important également de rappeler que dans le syndrome de Prader-Willi, ce qui est assez intéressant, c'est que le diagnostic néonatal est en moyenne se fait à 18 jours, donc on est bien sur un diagnostic précoce. Et diagnostic précoce dit nécessairement une prise en charge précoce et pluridisciplinaire. Néanmoins, il n'existe pas de médicaments pour gérer ces troubles du comportement alimentaire et donc la gestion de l'alimentation, elle est mise en place par un double contrôle, à la fois le contrôle des professionnels, mais qui très vite va être délégué en partie à l'ensemble de la famille, et un double contrôle également parce que les parents doivent gérer une anorexie et aussi envisager dans un second temps les troubles hyperphagiques. Et donc on comprend bien que l'environnement familial a une place centrale dans la gestion des pratiques alimentaires dans cette pathologie. Rapidement, je n'avais pas mis cette diapo et puis je me suis dit quand même un petit point de revue de littérature parce que ça a été fait assez régulièrement. Il y a quand même deux études, il y a de nombreuses études sur les pratiques alimentaires, mais il y en a un peu moins sur la gestion familiale des pratiques alimentaires. Et donc il y a deux études. La première, elle est plutôt une étude quantitative qui a été menée aux États-Unis et qui a été publiée au début des années 2000, qui met en avant l'idée que les problèmes de poids et de comportement sont une préoccupation majeure pour les parents avec le syndrome de Prader-Willi. Cependant, ils ont peu d'infos disponibles sur les manières dont la famille met en place des stratégies. Et on voit dans la littérature, 10 ans après, une autre étude, mais là une étude anglo-saxonne, étude qualitative, qui s'intéresse aux stratégies considérées comme les plus efficaces dans la gestion des pratiques alimentaires et dans la gestion du poids. Et il est mis en avant 3 types de stratégies. La mise sous clé des aliments. La deuxième, c'est la surveillance des comportements de l'enfant à table, mais aussi en dehors de la table. Et la troisième, c'est proposer des aliments les plus adaptés et donc les moins caloriques. Plus récemment, il y a une autre étude qui a été publiée et qui met aussi en avant l'idée que l'occupation des enfants et l'utilisation de routines peuvent être aussi considérées comme des stratégies efficaces dans la gestion de l'alimentation. Donc c'est à partir de ce constat-là qu'en tant que sociologue, on s'est dit qu'il serait intéressant de mieux comprendre, de mieux décrire et d'expliquer les dysfonctionnements de la socialisation alimentaire des enfants avec le syndrome de Prader-Willi. Alors, un petit
topo rapidement. Alors, c'est un papier qui est sorti il y a quelques jours, trois jours pour être exact, qui fait un état des lieux en fait de la littérature sur à la fois les pratiques alimentaires dans ce syndrome-là et comment les sociologues peuvent s'accaparer de cette question-là et mettre en avant un certain nombre de questionnements. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc, l'intérêt de nous, c'est de regarder la socialisation. Alors, c'est un concept qui désigne ce processus tout au long de la vie qui permet d'apprendre les normes, les codes, les pratiques alimentaires. Et vous l'avez fait aujourd'hui en allant vous installer au buffet. Il y a certains codes que vous avez respectés, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes codes que vous respectez dans votre famille. Et donc, on voit bien que cette socialisation, elle est contextualisée et qu'elle peut prendre des formes très différentes. Donc, ce que j'évoquais, ce concept de socialisation, il est assez complexe. Et nous, on l'a pris par trois dimensions qui nous intéressaient en particulier. L'internalisation des normes, c'est-à-dire le fait de l'apprentissage de ces règles, hein, comment on mange avec les couverts, comment on mange la bouche fermée, toutes les règles de la vie sociale et qui nous permet de manger en collectivité. Le deuxième concept, c'est celui de la néophobie alimentaire. Et donc, c'est l'idée, là, plutôt de s'intéresser au répertoire alimentaire des enfants. C'est comment on construit les aliments qu'on aime et les aliments qu'on n'aime pas. Et donc, c'est une étape normale dans le développement de l'enfant. On sait qu'à l'âge de 3 ans, on commence à s'affirmer et on affirme ses goûts et ses dégoûts alimentaires. Et par exemple, dans le travail de thèse que j'ai mené chez les enfants avec autisme, on a mis en avant l'idée que cette étape normale pouvait prendre des formes très différentes. Mais en tout cas, à la sortie de la néophobie alimentaire, elle est possible à partir du moment où on prend en compte les autres personnes et à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une sanction qui peut nous exclure du groupe social. Et donc, il y a un intérêt de regarder comment se construit ce répertoire alimentaire. Et le troisième concept qui nous intéresse autour de cette socialisation alimentaire, c'est la familialisation, et pas la familiarisation. La familialisation, on peut le regarder d'un point de vue macro-sociologique, c'est l'idée, par exemple, comment on passe de la prise en charge du système hospitalier à la délégation au système familial. Mais on peut le regarder aussi un peu plus d'un point de vue micro-sociologique, c'est la manière dont les individus, en fait, les familles, s'approprient les messages et les conseils formulés par les acteurs de la santé autour de ces questions-là. Donc vous voyez, ces trois concepts, ou en tout cas ces trois dimensions qui construisent la socialisation alimentaire, elles ont comme base commune l'apprentissage et l'idée aussi que ça se construit dans des contextes socioculturels particuliers et l'idée que ça se passe en interaction entre le monde professionnel et le monde familial, en interaction avec l'ensemble des membres de la famille autour de la gestion quotidienne de l'alimentation. Ah, je vais revenir sur le protocole méthodologique de ce programme de recherche. On a fait d'abord des entretiens d'experts autour de la question de l'alimentation dans le syndrome de Prader-Willi en France. Et très rapidement, on est allé au sein des familles pour faire ce qu'on appelle une ethnographie des familles et des pratiques alimentaires, que je vais décrire plus rapidement. Et l'idée par la suite, c'est de construire un questionnaire pour pouvoir aussi analyser ces pratiques d'un point de vue quantitatif. Alors, l'idée de ce protocole, eh bien, c'est parce que les médecins racontaient toujours, mettaient en avant l'idée que quand on parle des pratiques alimentaires des syndromes de Prader-Willi, c'est ce qu'ils peuvent voir à l'hôpital. On est dans un contexte particulier, on amène le plateau repas et l'enfant mange. Ou sinon, ils ont entendu parler de l'alimentation par les parents qui leur racontent leur récit de la vie quotidienne, de la gestion de l'alimentation. Et bien là, on a pris le parti d'aller dans ces familles et on a rencontré 13 familles avec 14 enfants avec le syndrome de Prader-Willi et on a réalisé des entretiens individuels avec l'ensemble des membres de la famille. L'enfant porteur du syndrome de Prader-Willi, la fratrie, les parents, et il pouvait également y avoir d'autres personnes comme les grands-mères qui pouvaient avoir un rôle très important dans la gestion de l'alimentation au quotidien. Une fois qu'on avait réalisé ces différents entretiens, donc je restais 3-4 jours à côté des familles, j'y allais rendre visite très régulièrement, je réalisais une observation du repas avec l'ensemble des membres de la famille et je regardais ce qui se passait au moment de la préparation, au moment du temps du repas. Quelques semaines après, on se mettait d'accord avec la famille sur ce qu'on appelle un repas typique ou un repas totem, ce qui fait sens pour la famille. Et on faisait cette expérience, la même expérience, sur le site de Toulouse, quand ils venaient lors de leur prise en charge au centre de référence. Et on faisait une observation de la réplique du repas familial sur une plateforme équipée de plus de 90 caméras, plein de micros. Et là, on sortait de la salle et on laissait faire la famille leur petite vie, comme à la maison, et on filmait le temps du repas.
À la suite de ce repas, on réalisait ce qu'on n'appelait pas là des entretiens individuels, mais des entretiens collectifs réflexifs. Donc, si je devais synthétiser cette étape sur le protocole, notamment sur la plateforme Ovali, on avait parfois 45 minutes de repas. On ne pouvait pas regarder les 45 minutes avec l'ensemble des membres de la famille. Donc, nous, on sélectionnait 3-4 moments clés qui nous paraissaient importants. Un fou rire dans la famille, une crise de colère, ça pouvait être des éléments positifs comme négatifs. À partir de là, on revenait avec les familles, ils avaient fait leur petit tour, et l'idée, c'était de leur dire, alors comment ça s'est passé, est-ce que c'est comme à la maison, qu'est-ce qui a été particulier? Et ensuite, on visionnait les films et on leur demandait, pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous donner des explications à des pratiques alimentaires? À partir de là, les enfants, c'était assez compliqué de pouvoir les intégrer sur l'ensemble de la discussion. Les enfants quittaient la salle et on faisait une discussion plutôt individuelle avec les parents. Et l'idée, c'était de leur donner notre grille de lecture en tant que sociologue. Et donc, on évoquait la notion de néophobie, socialisation alimentaire et qu'est-ce qui pouvait expliquer certaines pratiques alimentaires. Et donc là, l'idée, c'était d'inclure les parents à travers leur expertise parentale, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et réfléchir à des pistes d'éducation thérapeutique. Donc là, on est déjà à une première analyse, et cette analyse a perduré entre sociologues, parce qu'on s'est rendu compte que même deux sociologues qui regardent des gens manger, ils n'ont pas le même regard et ne s'intéressent pas aux mêmes choses. Donc l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qui nous avait marqué sur le repas, qu'est-ce qui nous semblait important. Et ensuite, on a également regardé ces vidéos avec les professionnels du centre de référence de Toulouse. Variabilité, étude qualitative, donc ce que je vous ai évoqué, 13 familles, donc on a essayé de faire varier les situations familiales, famille monoparentale, famille en couple avec beaucoup d'enfants, avec seulement l'enfant avec le syndrome de Prader-Willi, et on a également fait varier les caractéristiques sociales des enfants avec le syndrome de Prader-Willi, donc des enfants âgés entre 7 et 15 ans, dont la place dans la fratrie peut être différente, et on a fait également évoluer, du moins changer le diagnostic avec dysomie, délétion ou anomalie du centre de l'empreinte. Donc on va arriver au premier résultat de cette enquête. C'est sur la question en fait de l'information. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un diagnostic précoce. Les difficultés alimentaires arrivent dès la naissance. Donc, les parents se trouvent face à des difficultés et vont commencer à avoir les premières aides et les premières informations par les professionnels qui sont au centre de maternité. Et également, ils vont commencer pour certains à aller chercher des informations sur Internet. Les difficultés perdurent, le diagnostic est lancé et on voit deux autres un type d'individu qui arrive, c'est le centre de référence, donc les professionnels, ainsi que l'association nationale du Prader-Willi qui travaille en forte collaboration. De temps en temps, c'est l'association nationale qui arrive en premier, de temps en temps, c'est le centre de référence. Et donc là, les premiers échanges sont mis en avant. Les parents comprennent un peu mieux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Prader-Willi, pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent ce mot. Alors, trisomie 21, on a des représentations. Prader-Willi, certains parents racontent, ils sont incapables de répéter le mot. Ils disent, on m'a parlé de pas, un truc comme ça, mais je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas le répéter. Et donc après, au fur et à mesure, des questionnements émergent. Les parents peuvent retourner rechercher des informations sur Internet, même si les professionnels de santé les alertent sur ce qu'ils peuvent trouver sur Internet et les informations qui peuvent ne pas toujours être concrètes. Et les parents vont se projeter, ou en tout cas vont faire que le contrôle de l'hyperphagie et le déficit de satiété va devenir au centre de leurs préoccupations. Donc malgré que l'enfant soit anorexique, ils vont déjà être pour la plupart projetés dans la phase d'hyperphagie et la recherche d'informations à la fois sur ce qui va se passer, sur ces étapes, et des informations concrètes pour gérer cette alimentation. Alors, à travers en fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, pour expliquer la gestion de l'alimentation, il semblerait qu'il y a un dispositif qui combine deux dimensions. On retient l'idée de dispositif derrière de procédures qui en fait sous-tendent l'organisation ou qui aménagent l'environnement. La première dimension du dispositif, c'est le contexte physique. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs variables
Et il y a certains parents qui décident de gérer l'alimentation au niveau de l'assiette, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas beaucoup le choix, on arrive à table, l'assiette est prête. Et puis, il y a des niveaux qui sont un peu plus larges, des parents qui gèrent le plateau. L'enfant a la possibilité de commencer comme il veut, son repas, et il gère son alimentation. Tout ce qui est dans le plateau lui appartient. Et puis pour d'autres, c'est à la table que la gestion alimentaire se fait. Et pour d'autres, la gestion de l'alimentation se fait plus largement au sein du foyer et plus largement. Et donc, il peut y avoir des matériels complémentaires autour de ça. La deuxième dimension du dispositif, c'est le contexte humain. Et donc, il peut y avoir un parent qui gère l'alimentation, il peut inclure plus largement l'enfant, et puis on peut voir que les autres membres de la famille peuvent y participer, jusqu'à les grands-parents, les oncles et tantes, et même en dehors du cercle familial, autour de l'alimentation. Donc, je vais vous passer un court extrait d'une vidéo. Alors, c'est mis en mode cartoons pour en fait anonymiser les familles que j'ai pu rencontrer, mais garder en fait l'idée des interactions et de visibiliser le repas. Donc, cet enfant, il a reçu son assiette à table, rien n'a été discuté, et la maman arrive à table et elle se met à poser la moutarde au centre de la table. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je trouve qu'elle est éteinte. Comme on dit, on n'avait pas pour nous. Elle est en route. La fille, elle l'a réglée. On a besoin de la moutarde. Il demande de la moutarde. Un petit peu. C'est à quoi ? Bah, c'est à quoi ? À la moutarde. Plus personne ne va faire attention à l'enfant. Il prend sa petite cuillère. Non mais Maïs, c'est pour avec la viande. Je mange mais... comme ça. N'importe quoi. Bois. Bois de l'eau. Pichard, c'est pas grave, bois de l'eau. Non, tiens, faut pas boire de l'eau. Ah oui. Moi aussi, tu vois. Si tu bois de l'eau, c'est... Mais je t'ai déjà expliqué que la moutarde... J'ai pas fait gaffe. Il fallait... Regarde, c'est comme ça, la moutarde. Regarde, tu prends ta viande, regarde-moi. Et c'est comme ça. C'est transformé. Donc vous voyez, alors ce qui est, l'idée c'était que ça ressemble à la maison, mais la maman achète d'habitude de la moutarde légère, et moi j'ai appris de la moutarde bio qui était très forte. Donc il peut le manger à la maison, mais personne s'en était rendu compte qu'il le mangeait de cette façon. Et donc la maman elle dit, bah, j'espère que cette fois-ci il aura compris que la moutarde ça se mangeait pas. Et vous avez vu, elle lui explique comment on mange la moutarde, on tempote le steak haché, et on mange comme ça. Et donc vous voyez bien, on a l'impression que le dispositif physique est plutôt contraint, on gère l'alimentation à travers l'assiette, mais en même temps il y a un dispositif humain très important, et vous voyez les frères et sœurs interagissent et ils en rigolent et après ils réexpliquent un certain nombre de choses. La vidéo est assez longue par rapport à ça. Ce qui nous semble être intéressant, et c'est une des hypothèses qui ressort en fait de ces premiers résultats, c'est qu'il peut y avoir un contexte humain et un contexte physique qui est très large, et plus on discute et plus on gère l'alimentation largement, plus les interactions sociales autour de l'alimentation sont importantes. Et donc une des hypothèses, c'est est-ce que quand on se retrouve dans ce contexte-là, la question de l'alimentation devient moins problématique au moment de l'adolescence et au moment où on sait que dans le syndrome de Prader-Willi, on a des grosses complications dans la gestion de l'alimentation. Dans cette typologie, on voit également qu'il y a des différences sociales en fonction des gestions, en fonction des niveaux sociaux, mais également du fait de la présence ou de l'absence de fratrie. Et on sait que la fratrie a une place très importante. Donc ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est l'idée qu'on les a interrogés et on a mis en avant l'idée que, en tout cas ce qui a été mis en avant, c'est que certains enfants, grands frères ou grandes sœurs, ne connaissent même pas le diagnostic et en fait sont des acteurs à part entière dans la gestion de l'alimentation. Les parents les préservent, se disent c'est bon, c'est assez déjà compliqué pour lui, mais en même temps, quand on fait les entretiens en face à face avec les frères et sœurs, ils nous dévoilent un certain nombre de stratégies et ont une place centrale dans cette gestion de l'alimentation. Et ils ont une place centrale, d'autant plus quand ils rappellent de temps en temps aux parents qu'il faut lâcher la grappe à leurs frères et sœurs. Et vous voyez, ce verbatim, c'est « non, moi je dirais à mes parents de lui laisser un peu plus d'autonomie ». Ça, je pense vraiment, c'est important, parce qu'on a toujours tendance à dire que c'est notre bébé, voilà. Elle a 8 ans quand même, il va falloir la pousser un petit peu à faire des choses tout en étant autonome, et en même temps l'aider dans son alimentation. Et donc c'était notamment sur l'exemple de la viande, où on lui coupe toujours la viande à cet enfant, parce qu'on se dit que c'est quand même plus facile, qu'il se fatigue beaucoup, donc on voit bien comment les frères
frères et sœurs ont une place importante. Et on sait également qu'ils ont une place importante en dehors de la sphère familiale quand les parents donnent leurs enfants à garder aux grands-parents. Et on sait que les frères et sœurs peuvent être aussi un moment de garde et il peut y avoir des conflits entre les enfants et les grands-parents sur ce qu'ils proposent à l'enfant avec le syndrome de Prader-Willi. Donc voilà, rapidement, c'est compliqué de donner l'ensemble des résultats en 15 minutes, mais en tout cas, cette problématisation, elle invite à examiner en fait les interactions entre les déterminants biologiques et les déterminants socioculturels de l'alimentation, et elle questionne notamment sur cette place de la socialisation à travers les interactions sociales, à travers les intériorisations des normes et également la construction du répertoire alimentaire. Et elle permet, et c'est peut-être ça aussi, de montrer la place, en fait, la nutrition dans l'alimentation a une place centrale, on le sait dans cette pathologie, mais peut-être déculpabiliser un certain nombre de choses en mettant en avant que l'idée de la socialisation, les échanges, les explications autour de la table peuvent être aussi des éléments tout aussi importants dans la gestion et la prise en charge de cette pathologie. Merci pour votre attention, merci aux familles et aux professionnels. Merci beaucoup, Amandine.